Bonjour les moyens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 juin 2020 et nous allons faire ensemble une petite séance de motricité très courte, très simple. Il vous faudra peu de matériel, des objets par-dessus lesquels vous pouvez sauter. Donc moi j'ai pris des chaussures et après des coussins. Vous pouvez prendre d'autres objets, des boîtes de céréales, tout ce que vous avez à la maison par-dessus lesquels vous pouvez sauter. Et ça permettra de mettre en avant un nouveau signe graphique. Donc en même temps que vous sautez, vous essayez de visualiser, c'est-à-dire de voir dans votre tête, quels mouvements font vos pieds, qu'est-ce qu'ils dessinent dans l'air quand vous sautez. D'accord? Donc c'est parti. On va se placer, voilà, moi j'ai mis 5 chaussures, on va se placer derrière la première et on saute à pieds joints en passant par-dessus. Et on se rappelle, on pense à ce que font nos pieds, ce qu'ils dessinent dans l'air pendant qu'on saute. C'est parti. Voilà avec les chaussures. On va faire avec les coussins. Et on fait pareil avec d'autres objets. Là, j'ai mis des coussins. Donc, ils sont un peu plus hauts et un peu plus larges. Et c'est parti. On fait pareil. On saute à pieds joints par-dessus chaque obstacle. Et voilà, on a terminé pour le côté moteur avec les objets. Maintenant, on va refaire la même chose, mais sur une table avec des petits personnages pour que vous puissiez bien visualiser le mouvement que l'on fait quand on saute. Voilà, donc on va refaire la même chose que ce que vous avez fait en sautant par-dessus des objets, cette fois avec un personnage. Donc si vous avez des Playmobil, des petits objets, des petits personnages en jeu, vous en prenez un. Moi, j'ai pris un petit lapin et vous prenez de quoi faire des obstacles. Moi, j'ai pris des petits jetons, mais vous pouvez prendre des amandes, des pierres, des cubes, des Legos, ce que vous avez chez vous. Et là, cette fois, c'est plus vous qui sautez, c'est le petit personnage qui va sauter par-dessus les obstacles. Donc, il fait un bond par-dessus et il arrive entre deux obstacles. Encore un. Encore un. Et il saute. Et on regarde bien ce que ça dessine dans l'air en même temps que le personnage saute. On va le faire dans l'autre sens. On regarde bien. Un bond. Deux. Et hop. Alors, est-ce que vous avez vu quel dessin ça forme quand on saute par-dessus un obstacle? Qu'est-ce que ça dessine dans l'air? On va le faire sur une feuille. Je vais reprendre avec une feuille sur laquelle j'ai placé des bouchons. Donc on va faire pareil. J'ai pris un petit point rouge devant et je vais tracer le mouvement que l'on fait quand on saute par-dessus un obstacle. Mon petit lapin quand il sautait par-dessus ses obstacles. Je passe au-dessus et j'arrive entre les deux obstacles. Je repars du point où j'arrive. Et je saute par-dessus mon obstacle. Je repars du point où je suis arrivée. Et je fais mon autre bond. Et le dernier. Je vais tourner la feuille pour que vous puissiez bien voir. Voilà ce que ça fait. Je saute par-dessus mes obstacles. Et je vais enlever les jetons. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître? Des ponts. Voilà, quand on saute, ça forme la trace de pont. Donc, c'est le nouveau signe graphique sur lequel nous allons travailler quelque temps. Donc, il s'appelle le pont. Voilà, ça trace un pont qui passe par-dessus quelque chose. Voilà, et ben je vous souhaite une belle activité. Amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Au revoir les moyens.